Et bonjour à tous, c'est Jex et aujourd'hui nous sommes sur le quatrième opus de Silent Hill, donc Silent Hill 4 The Room. Cet épisode je ne l'ai jamais fait, j'avais juste effleuré donc dans une démo que j'avais eue sur PC il y a déjà un four, il y a déjà des années de ça. Et vu que maintenant sur ma chaîne que j'ai créée il y a 2 mois, j'ai décidé de refaire tous les Silent Hill, je me suis dit ben allez c'est parti hein. Je sais que celui-ci est un peu spécial parce qu'il y a une vue à la troisième personne et une vue à la première personne. Et que en fait il y a un hub principal qui se passe dans l'appartement. Et que par rapport à cet appartement, on passe dans l'underworld, donc et on peut se balader dans d'autres mondes. Mais on revient toujours à l'appartement 302. Parce qu'on est enfermé dedans et on peut pas y sortir. Voilà, donc je ne connais pas la raison, et on va la découvrir ensemble dans cette nouvelle aventure. Allez, c'est parti. Je mets en facile parce que moi, les Silent Hill, je les fais toujours en facile parce que les énigmes, moi, ça fait deux. Je joue pour l'histoire. Il y a 2 ans, Henry Towson emménageait au 302 South Ashfield Heights, immeuble au collectif de Ashfield, ville de taille moyenne. Henry était heureux, sa nouvelle vie lui convenait. Mais il vit quelque chose d'étrange depuis 5 jours. Chaque nuit, il fait le même rêve. Oh, et en plus, pas moyen de sortir du 302. Ok, donc là c'est... Waouh! Putain, c'était quoi ce truc de fou? Hein, dès que ça commence, ça gueule. Putain, j'ai eu peur! Bon, voyons voir comment ça se joue. Ok, il y a un œil, donc j'appuie sur X. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ok, donc on est dans l'appart. Ça a l'air complètement dégueulasse. Tout décrépit. Vieux. Donc ok, on est en vue à la troisième personne. Hein. C'est plein de sang et de rouille. Bah oui, comme je le disais. Donc j'ai bien remarqué que c'était bien dégueulasse, que c'était pas normal. C'est mon appartement. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Putain, c'est glauque, hein. C'est vraiment, vraiment super glauque. Hein. C'est pas mal en fait, la vue à la troisième personne comme ça. Ça fait penser un peu à Pity. Bon, bien sûr, en moins bien, mais ça a un air. Cet appartement. C'est vraiment mon appartement? Quel bordel! L'air est si lourd. J'ai mal au crâne. Ça fait partie d'un vieux album photo. Il est une fois un bébé et une mère reliés par un cordon magique. Puis un jour, le cordon a été sectionné et la mère s'est endormie. Le bébé est resté tout seul. Mais il s'est fait un tas d'amis à Wish House et tout le monde le cajolait. Le bébé était heureux. C'est déchiré à un endroit et je ne peux pas aller plus loin. Ah, j'espère qu'il était heureux. Hein. Putain, c'est glauque, hein. Ces gens, 21 personnes, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Putain, le bruit de la télé, il m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ça? Répugnant, on dirait un visage. Putain, vous avez vu le visage qui est formé dans le mur comme ça? Putain, c'est hard, hein? C'est bien dégueulasse, bien creepy, hein? C'est une photo de quoi? Elle est décorée, décolorée, j'ai du mal à voir. Bien, c'est spécial, hein. C'est pas comme d'habitude, hein. Ah, c'est cool. J'ai pas envie de me laver les mains pour l'instant. Bon, je tâtonne là parce que je connais pas du tout le jeu.
La porte est bien fermée, elle ne bougera pas d'un poil. La porte est fermée pour de bon. Oui, donc on ne peut pas sortir de l'appartement. Hein. On est dans l'appartement 302 et on est complètement fermé. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est glauque. Oh, c'est quoi ce truc? Quelle horreur! Allez, faut qu'on se casse, hein! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je dois dire que ça commence super bien. Je suis dedans, je suis vraiment dedans. Vous avez vu, hein, le producteur c'est toujours Akira Yamaoka, donc c'est le dernier jeu de la Silent Hill. Et c'est lui qui a fait les musiques au début et il est devenu producteur par la suite des Silent Hill. Donc voici celui qu'on va incarner. Pas de tonalité, je parie. Si. Toujours en dérangement. Le courant du téléphone est coupé et il a reçu un appel quand même. C'est vachement chelou. Franchement, l'ambiance est pas mal quoi. C'est. Je dois dire que je suis étonné. C'est spécial. Il y a plein de petits objets ici, mais rien de bien intéressant. Je trouve que c'est une prise de risque. Franchement, c'est pas mal. Donc, il peut quand même voir dehors ce qui se passe, en temps réel. Il est enfermé dans l'appartement, mais il ne peut pas sortir. Ça a l'air d'être une femme qu'il connaît. J'en sais pas plus que vous, donc je spécule hein, là.
Ok, on peut regarder la fenêtre. Par Sotteville, 555, 3750. Hôtel South Ashville. Donc on est à Ashville. Ma foi, c'est pas trop mal réalisé encore. Franchement, ça, il y a le grain atypique de Silent Hill, hein, qui est dedans, hein, donc ça fait énormément. Hein. Ce que je sais du jeu, mais ça va pas être un spoil parce que ça va vite être fait, c'est que pour passer d'un monde à l'autre, on va devoir aller du miroir ou du mur. Il y aura un trou dans l'appartement qui nous permettra de passer dans le monde, dans l'Underworld, je pense. Merde, j'ai pas su le temps de dire. Ah, c'est un coffre pour mettre nos armes et nos objets divers. Ok. Parce qu'en fait, l'appartement sert de hub principal. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit au début, là, il y a un prospectus qui dépasse. On dirait une coupure de prix prise dans un livre. On dirait que ça a été écrit, il y a une paye. Ah, j'ai pas eu le temps de... Merde, putain. Je vais le relire parce que j'ai pas eu le temps. Merde. Attendez, je vais essayer de réaccéder. Voilà. Grâce au rituel de la Sainte Assomption, il a créé un monde parallèle, un monde de notre Seigneur. Il s'agit en fait d'un monde à la fois intégré et séparé du monde du Seigneur. Au contraire du monde de notre Seigneur, c'est un monde tourmenté, plein de portes, cloisons, planchers mobiles, créatures étranges que seul lui seul sait maîtriser. Ceux qui sombrent dans ce monde y errent éternellement. Ils ne meurent pas. Ils le hantent comme des esprits. Notre Seigneur nous pardonnerait-il une telle ignominie? Cette partie du livre est trop abîmée pour être lisible. Mieux vaut ne pas trop se charger de ce monde. Se charger d'un fardeau trop important serait folie. Le livre est trop abîmé, ok. Ouais, spécial, hein. On dirait le prêche d'un curé ou d'un truc dans le genre. On peut regarder ce que les autres y font. Et là, il y a un type. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il y a quelqu'un en bas aussi qu'on voit. Ils font rien de spécial pour l'instant. Ok, donc ça sert de sauvegarde. Ok, comme ça on sait. Donc le carnet sert de sauvegarde. Ce sera plus des idéogrammes ou des signes kabbalistiques comme on avait dans le 1, 2 et 3. Parce que dans le 1, 2 et 3, ça représentait le Métatron. Et je pense que le 4, je sais pas si le Métatron est présent. Donc ils ont voulu faire une différence entre le 4 et... C'est moi tout gosse. Et plus tard, quand j'ai eu ma licence. Ok. Bon, là, je tâtonne, hein, je regarde partout. Par contre, la réalisation, elle me semble un peu moins belle que dans le 3. Ou alors, c'est parce que c'est une vue à la troisième personne. Hein. J'ai pas envie de me laver les mains. Ouais, il l'avait déjà dit dans le monde. Dans l'Underworld. On va aller dans une autre pièce, on va aller voir ce qui se passe. La même sérénade, on va faire un petit pipi, non? Putain, c'est assez crade hein, chez toi. Une salle de bain ordinaire, rien n'a changé depuis que j'ai emménagé il y a 2 ans. Mais à mon avis, ça fait 2 ans que tu n'as pas nettoyé. Bon. C'est quoi cette connerie? C'est deux salles de bain? Ou alors c'est moi qui... Ah ok, ouais, non, j'ai fait demi-tour, ouais, sans le... Il y a plein de petits objets ici, mais rien de bien intéressant. Mais là, c'est la chambre d'où je viens. Putain, que je suis con. Attends, l'appartement est tout petit, je me perds déjà, c'est n'importe quoi.
Normalement, il doit y avoir une salle de bain, je pense. Ah, déjà, il y a un mot là. Il y a 5 jours, j'ai eu ce cauchemar pour la première fois. Depuis, je suis coincé dans ma piole. Putain, c'est trop chelou, quoi. Le téléphone est HS, la télé aussi, et personne ne m'entend hurler. Ma vie a brusquement pris une tournure démente. Ma porte est coincée par des chaînes, les fenêtres sont hermétiques. Et en plus, un malade a bloqué ma porte avec des chaînes de l'intérieur. Pour sortir, ça va être coton. Ne sors pas, Walter. What the hell? Qu'est-ce que c'est que ça? What's going on here? C'est quoi ce bordel? Ah, on peut regarder par le Judas. C'est ma voisine de palier, Hélène Galvin. Il y a toutes des traces de mains sur la table, au mur. Quelle plaie. J'espère que ma chance va tourner dans la tête. Ah, elle était emballée par lui. Putain, c'est chelou, hein. Wow. Mais c'est bizarre, il y a un mot. Qu'est-ce que c'était? J'aimerais bien prendre le mot qui est là. C'est quoi ça? Voilà, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, pourquoi tu te réveilles pas? Ouais. Ah, c'est la pièce qu'on pouvait pas accéder au début. Ok. Des outils, des trucs par terre. Ok, rien de spécial ici. Donc c'est pas ici qu'on a entendu le bruit. Mais il y a une salle de bain normalement, c'est quoi ce bordel? Tu te laves comment? Voilà, c'est ça. Putain, il faut une force colossale pour faire un truc pareil. Écoute, c'est le seul moyen que t'as pour sortir de chez toi, donc même si t'as peur, tu dois y aller. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. I wonder if I can get out this way. Allez, go. Le tuyau d'évacuation sanitaire est cassé. Tu as un tuyau en acier. Tuyau en acier, donc c'est une arme. Ok. Tu entres dans le trou. Bien sûr, je vais entrer dans le trou. Il suit pas le gars, c'est normal. Enfin, il va me dire que ça fait 5 jours qu'il est enfermé, donc. Oh putain, c'est bien fait l'effet. C'est nous qui guidons? Ah ouais, c'est nous. Franchement, c'est trop bien fait. C'est l'effet, on dirait comme dans The Ring. L'effet est trop bien fait. On dirait qu'on regarde une vieille cassette. C'est génial. Je sens que cet épisode va me plaire. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va me plaire. C'est très spécial. L'ambiance est
est pesante, franchement. C'est différent du 2 et du 3. Hein. Ça, c'est sûr, certain. Pour le moment, en tout cas, c'est complètement différent. Ah, je suis captivé là pour l'instant. Alors, voyons voir. Or, le personnage a l'air un peu plus pâteau que je trouve que dans le. Ah non, il bouge mieux. Ça bouge même beaucoup mieux que dans. Parfait. Bon, voyons voir pour frapper. Ok. Donc on a une jauge au-dessus, je sais pas c'est quoi. On peut ah, on peut carrément esquiver. Or que dans les autres on pouvait pas esquiver. Ça c'est pas mal. Ok. Ouais, ça bouge mieux, mais il y a la jauge au-dessus, mais je sais pas à quoi elle sert. Ok. Ok. Donc c'est parti. On va aller fouiller un peu ce qui se passe. J'aimerais bien courir. Comment on fait pour courir? Ah voilà. Ah, il y a une femme là-bas. South Ashfield. On va aller voir la femme d'abord. On dirait notre voisine. Who are you? Ah non, la femme qu'on avait vue au métro par la fenêtre. What's your name? Henry. And you? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. Ben, elle est chaude, hein. Elle croit vraiment que c'est un rêve, hein. Mais avant de te barrer, je vais aller voir un truc. Parce que moi, je suis toujours du genre à aller fouiller à droite et à gauche. Donc, il est hors de question que. Ok, il y a une porte là-bas. C'est fermé, ok. Et c'est fermé, parfait. Au moins, comme ça, je suis rassuré. Je sais que on ne peut pas passer par là. On va continuer par là. C'est glauque à mort, hein. Franchement, c'est. Wait a minute. I think I'm gonna puke. Putain, j'ai eu peur. Oh putain. C'est dégueulasse, il bouffe
carrément leur congénère. Ils lui sucent le sang. Basse puissance. Vas-y, nique plus sa race. Putain, j'ai eu peur. Vous imaginez même pas comment j'ai sursauté, quoi. Putain, quoi. Ouais, quelque chose qui est tombé, là. Il n'y a personne, apparemment. Il n'y a personne, apparemment. Ok. La vue est bizarre. Bon, on va aller voir ce qu'elle fout maintenant parce que ça fait longtemps. Bon, il n'y a personne. Elle a disparu. Ah, c'est quoi ça? Je me demande où va ce trou. Bien sûr. Donc, il y a quand même. Le signe cabalistique. Ok. Il y a le signe du Métatron. Ok. So real. Or could it be? Was I really inside that woman's dream? Oh, that's just stupid. What am I thinking? Ben franchement, je veux dire que l'ambiance est franchement géniale. Pour l'instant, je suis complètement conquis. J'ai eu vraiment peur. Hein. Putain, j'ai sursauté, mais comme pas de. Ok. Bon, on va aller sauvegarder. Hop. Voilà. Donc, on va arrêter ce let's play pour aujourd'hui. Voilà, je vais sauvegarder déjà. Voilà. Franchement, c'est du lourd. Hein. Je suis complètement conquis par l'ambiance de ce Silent Hill. Pourtant, il a été fort critiqué. Il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, il est bof, et chiquitcha. Bon, pour le moment, de ce que j'en ai vu, je le trouve chouette. Donc, on verra par la suite si il est moins bien, s'il est mieux, s'il y a beaucoup de défauts, s'il y a des qualités. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de qualités et l'ambiance y est. Voilà. Ben voilà. Ben, si vous avez aimé ce let's play, commentez, partagez, likez, faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Et si vous avez vraiment kiffé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait méga plaisir et ça m'aiderait vachement. Voilà. Allez, à la prochaine pour de nouveaux let's play. Salut, salut!